Yeah. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evan et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode. Aujourd'hui on attaque un mode pour se défouler un petit peu, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, ça s'appelle Weapon Plus. Et c'est peu connu parce que quand vous tapez Weapon sur Google par exemple, vous allez tomber souvent sur Balkans Weapon, c'est-à-dire un mode que j'ai présenté, ou autre. Donc du coup c'est vrai que c'était pas facile de le trouver celui-là, mais j'ai réussi enfin à le trouver. Et Weapon Plus donc qui rajoute des armes, des petits lance-missiles, des petits lasers, des petits trucs. Donc vous allez voir, des petits contenus additionnels, c'est-à-dire pour vous rendre la vie un peu plus facile sur Minecraft. Et tout simplement vous détendre en détruisant du mob. Oui, parce qu'on aime ça. Allez c'est parti. Alors pour commencer, on attaque le fameux rituel du craft. Alors vous avez la landmine qui s'utilise avec 3 plaques de pression et 3 TNT. Je sais qu'on me reproche de parler vite, mais pour les crafts c'est pas intéressant, donc j'essaie d'aller le plus vite possible. Après vous faites pause sur la vidéo pour voir le craft si vous avez un petit doute. Vous avez le rocket, donc le lance-roquette qui se fait avec 6 blocs de fer, 1 bloc d'obsidienne et une de redstone. Vous avez le canon à neige qui se fait avec 5 lingots de fer et une packet ice. Attention, packet ice, hein, faut aller le trouver dans un biome, le biome ice plain là, je sais plus comment il s'appelle, mais ça doit être ça. Le flamethrower, donc le lance-flamme qui se fait avec un flamethrower au gas tank avec 6 lingots de fer. Vous avez également le laser blaster, donc qui se fait avec un énergie cristal et 3 obsidiennes, une redstone, 2 blocs de fer, un morceau de verre. Donc vous allez voir après les crafts, hein, ce sont les munitions. D'ailleurs on va les regarder tout de suite. L'énergie cristal donc se fait avec un diamant et 4 redstone. Le flamethrower, donc une poudre à canon, 4 lingots de fer. Vous avez la roquette qui se fait avec une TNT et 5 lingots de fer. Le railgun ammo qui se fait avec 2 blocs de fer et 5 lingots de fer. Et vous avez donc ensuite, on continue avec les armes, le railgun. Railgun, ils ont mis des rails. LOL. Donc 4 powered rail avec 4 blocs de fer. Vous avez l'ender canon qui se fait comme ceci avec 6 obsidiennes, un idle ender et une redstone. Et enfin, vous avez les kits d'épée, donc la Poison Edge Sword, qui est une épée en diamant avec un Spider Eye, vous vous doutez un petit peu de son effet. La Frayable Sword, vous allez voir son effet est cool, vous mettez juste une Iron Sword dedans en fait, c'est un effet aussi, pas mal aussi. L'Energy Sword, qui se fait avec un Energy Crystal, 2 Redstone et 2 Obsidiennes, ça a l'air super sympa. La Rift Blade, donc celle-ci, qui se fait avec 2 œils de lender, un œil de lender, 2 perles de lender et 2 obsidiennes. Vous avez enfin tout ce qui permet de réaliser une armure pour avoir une invisibilité totale qui se réalise avec... Alors premièrement, il vous faut des optiques net câbles. Donc les optiques net câbles, c'est ce qui vous permet de faire des armures. 6 lingots de fer et 3 vitres, tout simplement pour réaliser. Ensuite, donc ici, donc vous avez suite helmet, donc ça doit être... Le casque, donc vous avez 4 câbles optiques, excusez-moi ça va perturber, et un énergie cristal. Si vous voulez faire le chestplate, donc l'armure, 7 câbles optiques et un énergie cristal. Si vous voulez faire les jambes, avec 6 optiques nettes comme ceci, un énergie cristal ici. Et enfin, les bottes qui se font avec 4 optiques nettes câbles. Vous savez tout, maintenant c'est parti, on va se défouler sur nos amis, les copains creepers, c'est parti. Pom 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 hop 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 hop. Alors à mon avis je risque de faire péter tout le terrain. Ce fut le cas. Hop. Ah elles ont pas pété celle-là. Alors maudite bait. Donc les landmines c'est simple hein, il vous suffit de les poser comme ceci. Évitez de vous approcher trop près d'elles parce que sinon c'est un peu le foutoir. Donc on va placer des creepers en espérant qu'ils vont pas franchir la ligne avant que je leur ai autorisé. Hop. Et j'espère que je serai à bonne distance pour qu'il me saute dessus. Attention! Et on apprécie maintenant. Oula, c'est à peu près. Au revoir. Donc comme vous le voyez, c'est quand même assez efficace. Ah bah là, il y avait une caverne. Donc pour vous dire à quel point... Hop, on va essayer de les... Moi, j'ai pris des dégâts aussi? Non. Ah non, c'est que je devais être déjà... Je devais être déjà un petit peu enrhumé. Ah, ils ont passé partout, sauf sur les mines, quoi. Bonjour! Au revoir. Allez, suivant. Ah putain les gars, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas amusé ensemble. Oh, ça m'avait manqué. Allez, c'est parti pour le rocket.
Oh, ça les a pouillaves. Et attention, j'aime bien le bruit en plus, écoutez bien. Un bon effet de particules. Sachez que ce lance-roquette est... comment dire? Un peu comme... du mortier. Voilà. Si vous faites ça, faites attention, ne faites pas trop à la verticale, parce que ça pourrait vous retomber dessus. Mais j'aime bien le coup de la roquette quand même, c'est cool. On va essayer de l'épilonner comme ça. Ouais, genre voilà. Voilà, non, non. Pas moi, pitié. Alors, voici le canon à neige. Je tiens à préciser qu'il vous faut énormément de boules de neige pour que ça fonctionne. Parce que ça lance, voilà, ils disent 5 par truc, mais ça lance beaucoup plus. Hein. Ça va vous pomper, je crois que ça tire 16 par 16, même plus. Donc vraiment. Après, ce qui est cool, c'est que quand vous tirez sur un creeper, ça lui met un slowness en même temps. Donc ça lui fait peu de dégâts, d'ailleurs, ça lui en fait pas du tout. Mais par contre, vous pouvez faire de l'art moderne. Donc vous voyez les stacks de boules de neige et c'est terrible quoi. Regardez, je fais le canon à neige. Putain, ça vient jusqu'à moi quoi, c'est trop fort. Regardez, en 2 minutes j'ai réalisé une magnifique arche. Voilà, tout le monde pourra venir visiter l'arche de Darkhaven. Wow. Mais c'est génial ça, j'adore ce canon. Franchement c'est super, j'avais pas vu encore ce type d'arme. En plus c'est sympa parce qu'il a modélisé toutes ses armes en 3D. Donc on a vraiment... allez, on va dire que le design est un peu simple pour certaines, mais bon. Moi je trouve ça cool. Hop, pour faire des arches. Bon par contre vous avez intérêt à avoir beaucoup de neige en survie, hein, je vous préviens. Mais bon, voilà. Et on applaudit bien fort Darkhaven pour sa magnifique arche inutile. Allez, suivant. Vous savez, je crois qu'il y a un truc que j'apprécie beaucoup quand même, c'est le fait de pouvoir me défouler dessus. Alors, voici le flamethrower. Pour tous les pyromanes qui aiment ça, et je sais qu'il y a toujours des pyromanes partout, ils adorent le feu, ils adorent tout cramer. Bien écoutez, cette arme est faite pour vous. Elle cramera instantanément les creepers. Enfin, instantanément, c'est une façon de parler, puisqu'ils ne subissent pas de dégâts instantanés, ils vont simplement subir une brûlure. Par contre, c'est très sympa si vous avez envie de mettre le feu à une forêt. Ça, c'est certain. Je vous le dis, j'ai testé tout à l'heure, hein, la forêt n'était plus là. Hein, personnellement, si vous avez envie de tout cramer, eh bien vous pouvez le faire avec la plus grande joie, l'immense bonheur et la jouissance la plus totale d'un pyromane en pleine action. Et voilà, c'est réalisé, j'ai mis le feu à une montagne, à des arbres, on va les laisser brûler. Je sais qu'à chaque fois que je présente des mods comme ça, mes maps deviennent apocalyptiques et ça commence à être le cas. Allez, on passe à la suite. Sachez quand même, je précise, donc l'énergie cristal sert de munition au laser blaster, que suffit de vous de le recharger d'ailleurs en tout simplement en le craftant, en mettant, enfin vous cliquez droit et il va vous le prendre automatiquement. Le flamethrower gas tank, donc utilise pour le lance-flamme, je leur dis au cas où si vous l'avez pas saisi, le lance-roquette donc utilise ses roquettes, le railgun utilise donc railgun pour le railgun, et enfin celui-ci n'utilise pas de munitions, il faudra le recrafter si vous souhaitez l'utiliser. Hop, on passe au suivant. Alors les amis, voici quelque chose que j'adore particulièrement, il s'agit du laser blaster. Et le laser blaster, il est cool parce qu'il a 3 modes. Quand vous faites un shift click, vous pouvez switcher en explosif, en dommage ou en stun. Alors le stun... Oh, vous entendez ce petit bruit? Voilà. Et là, il est stun pendant 20 secondes pour lui faire subir. Par exemple, vous dites hop, je t'immobilise. Juste après, je passe en damage. Alors là, 6 de dégâts. Si je charge à fond... Pouah, je lui fais presque 20 dégâts en version dommage. Et vous avez la version explosive pour faire de l'AOE, pour faire des dégâts de zone. Voilà, comme ceci, en le chargeant bien fort comme il faut. Vous pouvez exploser tous nos copains des creepers. Hop, vous arrivez. Et bon, imaginez pour le stun, parce que plus vous tenez enfoncé, plus l'effet sera long. Donc vraiment... Voilà, là c'est 30 secondes si vous l'avez bien au maximum. Pour l'explosif, c'est pareil si vous le mettez au max. Poum, voilà. Une fois vos cibles éliminées, vous pouvez continuer votre chemin, tout simplement. En tout cas, 3 modes différents pour le laser et j'adore. Franchement, j'adore. Ça mérite qu'ils continuent de développer le mode et qu'ils fassent quelque chose d'encore plus énorme. Allez, on passe à la suite. Eh oui, les amis, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de creepers. Ils m'ont beaucoup manqué, mes petits chérubins. Mes amis, mes cobayes dévoués à faire tout ce que je veux. Enfin, surtout crever, en fait. Allez, le railgun, c'est parti. Oh. Ah, c'est marrant, le truc se lâche tout seul. Ah. En fait, si vous le gardez enfoncé, il va partir tout seul. Ah, mais d'accord. On n'a pas le choix, en fait. Alors. Ça part loin, ça?
Ouais, pas mal. On essaye encore? Ah, d'accord. Bon. Après, il y a le système du mortier qui revient quand même. Faut quand même être à portée. Mais bon. Le temps de rechargement est long aussi, hein. Vous avez vu? Mais bon, c'est plutôt cool. Bim, dans ta tête. Ah, vous avez kiffé, hein. Vous avez vu votre pote crever, vous en avez rien à foutre, hein. Tiens! Kamikaze de mes deux. Allez, on passe à la suite. Alors, celui-ci, tout simplement, l'Ender Canon n'est pas une arme. Oh, au pire, ça lui fait un petit dégât quand je me téléporte dessus. Mais son principe, c'est simplement le fait de se téléporter. Je crois que maintenant, c'est une mode dans beaucoup de choses qui rajoutent des armes. Il y a toujours un truc pour nous téléporter, puisque c'est une fonction qui est là. Est-ce qu'on subit des dégâts? Alors, attendez, parce que j'allais mettre en survie près des creepers. Remarque, ça pourrait être une bonne méthode d'évasion. Ok, on le fait. Pas de problème. J'ai même pas peur. Hop. Eh bien, vous prenez des dégâts comme une perle de l'Ender, donc je ne vois absolument pas à quoi ce canon peut servir. Si ce n'est... Ouais, ça tire presque aussi loin. Pratiquement. Ouais, pratiquement, quoi. Hop là. Voilà. Bon, bah voilà, pas rien d'exceptionnel pour ce canon. Hein. Sachez que... Non, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Bon. Je sais pas ce que ça peut faire, mais ça fait pas grand-chose. Ouais, non. Vraiment, bon, ça remet un petit... Il y a une petite régène de 0,0 seconde, on va dire. Ça sert à rien. Donc voilà, l'Ender Canon, c'est le truc que j'apprécie le moins. Mis à part son design, qui est certes très impressionnant, mais pas si puissant, en fait. D'ailleurs, je me demandais s'il avait d'autres fonctions, mais... ma foi, non, je n'en ai pas trouvé. Il n'en avait pas... il n'avait que celle-là, donc... bah, voilà. Bon, bah... C'est parti. C'est parti pour le suivant. Alors c'est parti, on attaque avec la Poison Edge. Voilà, 8 de dégâts, plus le poison, ça lui fait très mal. Hein, ça là-dessus, il n'y aura pas de problème. Il va se faire déglinguer la tronche. La Shrivel Sword, donc c'est l'épée lançable. C'est terrible comme truc. En fait, c'est l'épée en fer que vous avez mis dans votre table de craft, vous obtenez une épée. Bon, si vous attaquez, vous aurez déjà des dégâts plus importants. Putain, elle est vachement... Des dégâts plus importants, beaucoup plus importants d'ailleurs... C'est très bizarre quand même. Mais en survie, ça doit pas être la même histoire. On va passer en survie pour voir un petit peu. Attention, je me dévoue pour la science. Attention, je vais utiliser cette épée aussi pour voir sa durabilité. Quand même. Ah non, mais elle est... Alors, oh, 1500 de durabilité en plus. Ouais, c'est très cheaté. Ah ouais, on a des armes très puissantes là. Et donc, la capacité de cette épée qui est géniale, c'est celle-ci. Voilà. C'est un gros fail. Mon épée! Donnez-moi Excalibur! Je me battrai pour le nom de mon épée, ce qui nous donnera l'occasion d'utiliser l'Energy Sword qui a plusieurs modes. Le Damage Boost, qui fait presque 19 de dégâts à un Creeper, ce qui est assez impressionnant. Vous avez le Fire Edge. Alors, Fire Edge, ce qui doit mettre les Creepers en feu. Donc, un Shift-Click hein, pour dégommer les Creepers. Je peux récupérer mon épée. Pourquoi ils sont attirés par mon épée? Ouais, ça leur fait 12 de dégâts, c'est terrible. L'Enchanted Répulsion. Qui leur met un knockback, mais c'est terrible. Et le stun, d'accord. Là, j'étais tellement stunné que, à mon avis, tu pourras plus revenir de sitôt. On évite le coup critique, hop, on passe en damage boost, et bim, c'est le hit. Putain, on peut faire des super combos avec ça. J'utiliserai ce mode, ça c'est sûr. Vous savez, je fais tellement de présentations de mode. Et alors, on va essayer de parce que cette épée là, concrètement, je peux te récupérer, je peux te mon Excalibur, viens. Viens, ok, bon, une fois que vous l'avez jeté, c'est fini. Apparemment, c'est fini. J'aimerais bien pouvoir lancer ça sur quelqu'un. Genre un mouton, tu feras l'affaire. Allez, cette fois-ci, je ne dis pas les creepers. Ah ouais, putain, le tir le plus pourri de ma vie. Putain. Non mais... Bon, remarque. Vous avez vu la gueule des épées, c'est tellement énorme. T'as l'impression que tu pentes un gros truc, en fait, ça lui fait rien. En fait, je lui lance des épées en caoutchouc. Tiens. Alors que si vous l'utilisez en tant qu'arme de dégâts, franchement, je vous conseille de l'utiliser comme ça, hein, parce que ça fait carrément plus de dégâts que de la lancer comme ça. Par contre, c'est sympa, parce que si vous en avez plusieurs... Allez, je fais un dé. Dé comme Dark ou débile. Oh, j'ai fait un... C'est terrible, on pourrait faire un concours de lancer de couteau, quoi. Je vais mettre As d'entrée des planches, je vais arriver, je vais faire... Allez, esquive celle-là. Regardez, c'est génial. Ça se plante bien. Point. Ouais, bon, ok. Des fois, ça se plante pas trop.
Ah ouais, c'est vachement bien modélisé quand même. Ils ont fait du gros travail pour lancer cette épée, je pense. Et il reste enfin une dernière arme, la Rift Blade. Alors, la Rift Blade, comment l'utiliser? Eh bien, déjà, on va voir un peu les dégâts qu'elle fait, parce que je sais pas combien elle fait de dégâts. Elle fait combien de dégâts? Hop, bonjour, hop. 8 de dégâts. Ok, 8 de dégâts, ce qui est complètement acceptable. Et enfin, elle a une capacité, si vous faites un shift, clic, enfoncé, vous restez enfoncé. Vous vous téléportez sur une coordonnée random qui vous donne un petit blindness, une petite nausée très rapide avant de vous repositionner. Le problème, c'est que souvent, vous allez être téléporté à la même position. Donc, il va falloir que vous bougiez souvent si vous souhaitez avoir une autre téléportation. Par exemple, hop. Ça a pas vraiment... Je crois pas que ça a marché. Hein. Ils disent téléport successful, c'est vrai, mais en fait, on subit que l'effet. Vous pouvez faire ça en plein vol aussi. Ce qui va vous faire un truc comme ça. Donc faut faire super gaffe. Je crois que par exemple si on est lâché, on va faire un dernier test. Je crois que si on est lâché comme ça, faut avoir un peu de temps. D'accord. Bon, bah je l'ai gardé enfoncé plusieurs fois. Je l'ai fait 3 fois au total. Donc sur une chute dans le vide, peut-être c'est random hein, mais peut-être que vous pouvez vous sauver la vie. J'en ai aucune idée. C'est possible. C'est possible. C'est possible, mais j'essaierai pas en survie. Voilà, ladies and gentlemen, c'était Dark Event pour Weapon Plus, une petite arme. Ah, mais attendez, non, mais oh, on arrête tout de suite. Il nous en reste un. Alors voici, alors pour ce faire, je me mets à distance, j'ai mis une poignée de creeper pour voir si son effet marche vraiment, parce que moi, les creepers, l'autre fois, ils m'avaient vu et ils m'ont défoncé. Alors j'ai dit, bah, putain, un truc d'invisibilité. Donc, on se place les bottes, on passe ceci, on place ceci, et hop, voilà, on se retrouve... à ressembler un peu à rien du tout, donc ça c'est censé montrer les fibres optiques et les caméras, enfin, oula, je prends des screens encore une fois. On va essayer de s'approcher furtivement, tout en gardant mon arme bloquée sur Enchanted Repulsion, c'est plutôt cool. Hop, et on va tenter une approche furtive, sur ces petits creepers, attention, le test est lancé. Tintin. Tintin. Non, ça peut pas marcher. Vous savez pourquoi ça peut pas marcher? Je suis en créative. Ça peut pas marcher. Attention. Hop. Maintenant, c'est parti. Pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Non, mais attends, t'es sérieux? Tu m'as déjà vu? Dégage. Je suis pas censé être invisible. Les gars. Eh, les modeurs, va falloir vous poser la question, là. Je suis censé être pas visible. Oh là là. Hop. Bon, ça au moins on a testé la tentative d'échappatoire. Ça ne marche pas avec les creepers. Donc déjà, vous voyez, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui marchaient pas avec les creepers généralement. Bon voilà, c'est la nuit les amis. On est reparti, on va retenter un truc. Alors je vais tenter sans épée. Hein. Et en espérant que cette fois-ci, tout va fonctionner pour le mieux. Nous sommes prêts, nous sommes vaillants. Alors, c'est le truc d'invisibilité le plus nul que j'ai jamais vu. Allez, dégagez, dégagez, dégagez! Non, mais sérieux, quoi, ça m'apporte rien! C'est quoi cette invisibilité à la con? J'ai oublié un truc? Et là, on va me le dire encore dans les commentaires. Non, mais t'as oublié ça. Je sais pas. J'ai oublié quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis pas censé être invisible? On va essayer de se balader de nuit. Je suis censé... Regardez! Même sans rien sur moi. Même sans rien, il me voit. J'ai oublié quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Faut que je fasse quoi pour être invisible? Regardez, les zombies, ils me suivent encore. Je suis tellement invisible qu'ils arrivent à me voir de là-bas. Pouah, c'est nul. Bon, ok les amis, eh bien, sur ce, ça va être la fin de cet épisode. Donc, l'armure d'invisibilité, en 1-7-2 en tout cas, c'est de la merde. L'utilisez pas, ne la craftez pas, vous ferez des économies. En tout cas, c'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse le plus, quand même, ce sont les armes qui y sont présentes, parce qu'elles sont vraiment cool. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup, quand même, de vous amuser avec. Donc, voilà, et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles présentations de mode en compagnie de votre dévoué serviteur, Darkhaven. Ciao tout le monde. N'hésitez pas le pouce vers le commentaire, la page Twitter, la page Facebook, ça y est, c'est fait, je suis invisible, les araignées m'ont vu. C'est nul. Personne, tout le monde me voit dans cette putain de plaine. Allez, je me casse. Ciao.